voilà, je me présente, donc André Rouy, c'est mon vrai nom, mais je veux dire que depuis de nombreuses années, donc, je suis connu avec mon pseudonyme qui est Dédé Lardéchois. Alors, l'amour du train, donc, on va dire que je suis fils et petit-fils de cheminots, hein, donc on va dire que j'ai été bercé par les trains puisque ma mère était garde-barrière, donc j'habitais dans les passages à niveau et le train, donc c'était le réveil, le téléphone d'aujourd'hui, on va dire. Hein, c'est lui qui nous disait, ah ben, si c'est 11h30, c'est bientôt l'heure de faire chauffer la bombine pour midi ou quoi que ce soit. Ça fonctionnait comme ça. Et j'ai vécu toujours un petit peu avec cette passion du train sans avoir eu jamais de maquette ni quoi que ce soit. Et il a fallu que j'attende d'avoir un garçon. Le premier, c'était une fille, un garçon. Et le jour que j'ai eu mon garçon, mon fils Jérôme, eh bien, c'était décidé depuis longtemps. Je suis allé acheter dans les 2 heures qui ont suivi mon premier train électrique. Et depuis, bon, je fais du modélisme ferroviaire. Alors, ce qui m'anime, du moins principalement, ce qui m'intéresse, moi, c'est le patrimoine, le passé. Je suis passionné par tout ce qui s'est passé avant et je ne veux pas que ça rentre dans l'oubli. Donc, il n'y a pas que le train, il y a les pierres, il y a le village. Moi, je fais la visite guidée du village et ainsi de suite. Je suis très passionné par toute cette histoire qui s'est passée auparavant. Et le train fait partie de ça, puisque malheureusement, on est dans un département où le train motive pas trop nos décideurs. Et moi, j'ai voulu que ce passé ferroviaire ne soit pas oublié. Il faut savoir que nos anciens, nos ancêtres, se sont battus pour avoir le train. Hein. À l'époque, c'était vraiment une bataille. Hein. Quand on sait que dans des villages, chacun voulait avoir sa gare. Alors certains, bon, n'ont pas eu la gare, mais ils ont eu la chance d'avoir un double nom, c'est-à-dire le nom de la commune où il y avait la gare et le nom de la commune à côté, ne serait-ce que Vals-les-Bains, la Bégude. Et ainsi de suite. Donc ça, ça a été vraiment une bagarre de nos anciens décideurs qui ont voulu ce train à tout prix et qui l'ont eu. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et puis un jour, j'ai vu un article qui annonçait qu'il y avait une association qui allait se créer pour sauvegarder le patrimoine ferroviaire, parce qu'on savait que l'échéance était très courte. Hein. On était en octobre 87 et on a vu que cette échéance a été plus que courte, puisque le 1er avril 1988, les derniers trains ont circulé en Ardèche. Donc on a créé une association dans le but de sauvegarder ce patrimoine et éventuellement, si on arrivait à le sauvegarder, créer un train touristique. C'était l'idée donc de plusieurs, et cette association a perduré pendant longtemps jusqu'en 2012, et le train touristique qu'on a pu acheter, on en a acheté plusieurs autorails et a fonctionné, bien fonctionné, malgré qu'on nous ait mis un petit peu des bâtons dans les roues, mais on tournait aux environs de 20-25 000 visiteurs par train chaque année. C'était quelque chose d'extraordinaire. Hein. Et ça a été, moi je pense, une belle chose, un beau projet touristique qui malheureusement s'est arrêté lui aussi. Je dirais qu'avant d'arriver au musée, proprement dit où on est aujourd'hui, j'ai décidé de fêter à ma manière le 30e anniversaire du dernier train, c'est-à-dire que le 1er avril 2018, j'ai dit je vais faire une exposition pour rester un petit peu dans cette ambiance ferroviaire, et j'ai créé simplement une historique par rapport au livre que j'avais écrit, un historique de ce passé ferroviaire. Et comme j'ai ouvert ça tout l'été 2018, 1500 personnes qui sont rentrées dans cet espace où on rentre gratuitement, et toutes les personnes m'ont posé des questions, pourquoi ça ici à Meyras, et ainsi de suite. Et la conclusion un peu de toutes ces réponses était, il faut garder ce lieu de mémoire, il faut en faire un musée. Et l'hiver 2018-2019, eh bien, j'ai tout démonté ce que j'avais fait et j'ai créé ce musée qui a beaucoup évolué en 4 ans, puisque donc on va fêter le 4e anniversaire. Et donc vous pouvez voir aujourd'hui la quantité de choses qu'il y a ici dans un espace très petit. Mais celle-là, elle vient d'un train un peu particulier, puisque c'était la poignée du compartiment du Kaiser. Kaiser Guillaume II, roi des Prussiens. Donc ça c'est une pièce très rare. Et le wagon donc du Kaiser, comme on dit, il est actuellement au musée des transports à Berlin. Alors ici, c'est très facile. Le musée est ouvert
je veux dire 24 heures sur 24, mais avec modération, hein, mais il est ouvert toute l'année. C'est-à-dire, s'il y a une personne qui m'appelle, je peux venir à 18h, ben, j'ouvrirai à 18h, ainsi de suite. Après, l'été, au beau jour, les week-ends, la porte est ouverte, les gens rentrent. Donc, mais au départ, j'ai mis une petite astuce, c'est ouvert si j'y suis. Donc, j'ai supprimé celle-là. Donc, maintenant, je préfère dire, parce qu'il y a des gens qui arrivent, ils pensent que c'est ouvert, ben, je dis, vous téléphonez, j'habite à côté, si je suis là, je viens vous ouvrir, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Ça fonctionne comme ça, c'est beaucoup plus souple, parce que je n'ai pas envie de passer ma journée aussi là, à attendre éventuellement deux clients ou beaucoup plus, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Je n'ai pas de subvention, c'est moi qui ai tout financé, les objets, soit on me les a offerts, soit je les ai achetés, c'est ma collection, et non, non, j'ai pas de budget. Hein. Alors, jusqu'à une période donnée, comme c'est gratuit, les personnes m'ont dit, ouais, mais vous n'avez pas de tirelire. Alors, ce qui fait que j'ai rajouté une tirelire. Alors, pour la petite anecdote, c'est là où on se rend compte l'évolution du tourisme. En juillet, c'est très généreux. En août, c'est des pièces oranges de 1 et 2 centimes. Alors, ça fait du bruit dans la tirelire. Hein. Mais bon, la démarche n'est pas là. Ce n'est pas pour faire de l'argent, puisque cet espace, quand il va déménager, je vais le mettre à disposition de la commune de l'Abécude. Hein. Je ne suis pas éternel. Hein. Donc, mais moi, je veux que ça perdure. Jusqu'à ce jour, le musée donc, était chez moi. C'est un peu petit. On me proposait des gros objets que j'ai refusés, que je ne peux plus avoir maintenant, parce que bon, ils ont disparu. Et puis là, la municipalité de l'Abbaye-Gueule, le maire Jean-Yves Ponthier, m'a fait une demande, j'étais un peu surpris, il m'a dit, ton musée, c'est petit, tu ne voudrais pas l'agrandir? Ben, oui, mais je ne peux pas. Ben, ce n'est pas un problème, on peut t'accueillir, on a un espace suffisamment grand pour créer ton musée, si tu veux, donc tu seras le bienvenu à l'Abbaye-Gueule. Alors, l'Abbaye-Gueule, ailleurs j'aurais peut-être refusé, à l'Abbaye-Gueule, j'ai accepté volontiers, parce que j'ai habité à l'Abbaye-Gueule et ma mère a été la dernière garde-barrière à l'Abbaye-Gueule. Et ça, pour moi, ça me touche beaucoup parce que tout ce que j'ai, quand j'ai écrit des livres, je les ai toujours faits par rapport un petit peu à ce qui s'est passé dans ma vie ou la vie de mes parents pour relater tout ça. Et là, donc, j'ai dit, ben, l'Abbaye-Gueule, je fonce. Alors, on peut toujours croire. Moi, je veux dire, croire, c'est vivre. Oui, on peut dire le train voyageur en Ardèche. Alors, l'Ardèche, c'est compliqué un petit peu parce qu'on va dire, c'est grand, le département. Il y a des lignes sur le nord du département Annonay qui a disparu. Là, on verra plus de train. Du moins, on ne le sait pas. Sur la vallée du Rhône, donc partie méridionale, il y a le projet lancé de dire autour du train Auteuil. Ce sont des projets. Par contre, la seule chose que je souhaiterais, que j'aimerais que ça se réalise, mais ça se réalisera peut-être jamais, hein, mais enfin, on peut toujours lancer un souhait, c'est qu'il y a encore la possibilité aujourd'hui de remettre un train entre la vallée du Rhône et la gare de Montfleury qu'on avait créée quand on était à Viaduc 07, qui était l'ancienne gare de Villeneuve-de-Berre. Sur ce tronçon-là, il reste encore les rails. Alors, les traverses, bien sûr qu'elles sont un peu usées, mais on peut les changer, ce n'est pas le problème. Mais l'infrastructure totale y est. Et là, ça serait une belle pénétrante sur l'Ardèche méridionale, soit sur la partie vraiment touristique, Valons, Ruance, Joyeuse, Lévance, mais également sur la Cévenne ardéchoise, sur Aubenas, Vals-les-Bains, Tueil, tous ces secteurs. Et là, je pense qu'il y a possibilité de faire quelque chose. Alors, on peut toujours rêver, mais je veux dire que pourquoi pas? Nos ancêtres ont réussi à créer ces lignes dans une topographie qui était quand même assez compliquée. Aujourd'hui, il n'y a rien à faire. La topographie, elle n'a pas changé. Les ouvrages d'art existent. Il suffit de remettre en état une voie. Il faut savoir que, il existe actuellement, donc le réseau ferré devient très à la mode, on va dire un petit peu, mais on n'en parle pas trop. Hein. Il existe des entreprises, puisque d'un côté, on a ouvert à la concurrence. Avant, il n'y avait que le réseau ferré de France. On a ouvert à la concurrence. Des entreprises qui font circuler des petits autorails. Valeur à environ une vingtaine de places. Et on circule très très facilement. C'est très économique. Mais si on veut parler sur l'économie, on peut aller encore beaucoup plus loin. Et là, la SNCF l'a lancé il n'y a pas longtemps. Il a laissé sur la Bretagne le train à hydrogène. Il existe depuis longtemps le train à hydrogène. Il est fabriqué en France par Alstom et par Siemens en Allemagne. Et on le vend dans les pays étrangers. Et nous, on ne l'exploite pas. Et là, on commence à réagir par rapport au coût de l'énergie, tourné avec des trains d'hydrogène. Et ça marche très très bien. Il y a une autre ouverture qui vient de se faire sur la Bretagne à nouveau,
où sur une ligne, on a remis en route une ligne de chemin de fer qui était abandonnée. Et au lieu d'avoir tout ce personnel qui coûte très cher, pour ainsi dire, on a un conducteur de train et c'est le client qui va prendre le passager qui arrête le train à l'emplacement voulu. Il n'y a pas besoin d'avoir un chef de gare et ainsi de suite. D'abord, le chef de gare a plus ou moins disparu puisque maintenant, dernièrement, dans les trains, il n'y a pas besoin de siffler ni le drapeau pour faire partir le train. Donc, c'est le conducteur qui gère tout ça. Et donc, là, on pourrait faire des économies à partir du moment où il y a les voies. Bien sûr que là, les voies qui ont disparu en Ardèche, et on a détruit des ouvrages d'art pour arranger une route ou quoi que ce soit. On a créé des plateformes, des lotissements sur les plateformes des gares parce que c'était tout plat, c'est plus facile. Mais je pense qu'on a un petit espoir. Parce que la conjoncture actuelle est assez compliquée, et puis je pense qu'elle ne va pas s'améliorer de suite, de revoir peut-être un train en Ardèche. Et il serait plus logique de voir une pénétrante de la vallée du Rhône jusqu'à Montfleury que de voir un tronçon de voie qui va passer simplement entre l'Auteuil et Pont-Saint-Esprit.